Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode suivant, c'est-à-dire l'épisode 14 de Callisto Protocol. Évidemment, installez-vous confortablement, 4K 60 FPS. Prenez de quoi boire et de quoi manger. On va se régaler! J'avais récupéré la carte d'accès, évidemment, qui nous permettait de continuer nos folles aventures horrifiques. Et on a juste à l'introduire. On s'en est, je trouve, très honnêtement, plutôt bien sorti. Ça, les gars, ça c'est injecté, c'est dans les veines. De toute façon, j'ai l'impression que ça redonne plus grand chose. Est-ce qu'on peut améliorer les injecteurs de santé? C'est une très bonne question que les Français se posent. Ok, super, ça sert à rien. Franchement, je préfère les munitions, on meurt pas beaucoup. Quand on a compris une scène assez... Ah ah. Mais frère, c'est quoi ce truc d'abruti? Fils de pute. Débile! Je pouvais rien faire! Sinon, ça va, vous? On commence plutôt bien cet épisode, j'ai envie de vous dire. Ok! Quoi? Quoi? Les gars, c'est bien beau tout ça. Mais where is the ascenseur? Il est là-bas. Bon, attendez, je me casse. Moi, je veux aller checker là-bas, c'est ça qui m'intéresse. Ah, c'est fermé. Ah, c'est la déception. Bon. Bon, les gars, on fait quoi, là? Vous restez à 3 devant l'ascenseur? C'est comment? C'est comment? Voilà, venez un peu, venez un peu. Faites pas les lâches, les mecs. Oh, lui, je vais lui éclater la gueule parce que j'en ai envie. On n'a pas autant d'envie que ça, finalement. J'ai eu peur. Allez, ça dégage. Allez! Salut, l'artiste! C'est pas grave pour l'argent. Là, il faut vraiment que je trouve une forge. Danny? Danny? Où est-ce que tu es passé? Where are you, Danny? Trouver Danny sur les toits. Okay. Tiens, 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 qui volage? C'est la mère Michel qui a perdu son sage. Je sais pas pourquoi je voulais dire sage et il s'appelle sage. Incroyable! Non, attends, c'est parce que je l'ai vu avant. Oh, il y a eu un bug là, j'étais Matrix. Je ne pouvais pas le laisser se répandre. Ils étaient tous remplaçables, bien sûr, mais ce qu'on a trouvé, ce que j'ai trouvé, ça pourrait être la clé de tout. Contacter le cercle. Très bizarre. Merci Yannick Sage. Ouais. Bon, écoutez, on va dire que le micro temps de chargement avant m'a retiré tout ce qui aurait pu y avoir d'effrayant. Oh merde. Pourquoi lui rapide sa mère? Pourquoi il est vif lui? Bizarre. La vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. J'ai cru que c'était un petit havre de paix avec une petite forge. Mais non! Ok, il se passe des choses. Un mec qui essaye de communiquer dans une langue bizarre là. Et un man, il est keblo les gars dans la matrice. Ok. Ceci est fort embêtant. Et 28 ils rapportent. Hein. C'est que eux, les gars, ils ont un parcours. Ils ont une histoire, ils ont un background. Au lieu de 21. Hein.
avec ce merdier, putain. Le problème, c'est que la copie, je vois que dalle, frère. Il y en a un qui fait des gorges profondes dans les ska. Bon, écoute. Il est mort là, non? Je me suis chié dessus. Vous me croyez ça? Je me suis caca culotte. Ça va pas ça? Qu'est-ce que c'est? Des étoiles. Des étoiles plein les yeux. Oh non, c'est une clé. Ok, les gars. Eux, on peut pas les prendre pour... Quoi? Héros. T'as inventé l'école. Ah! Pas vrai, frère! Arrête ta mère, toi! Mais je suis Keblo! Mais je suis Keblo! C'est trop! Je ne peux pas prendre une autre arme! C'est trop, je suis Keblo, frère! Et on peut pas prendre une autre arme, donc je... Ils sont mal faits. Excusez-moi, c'est l'enfer. C'est un truc de ouf. On peut pas. Frère, si t'as verrouillé. Arrête-toi, ta mère. T'es qui, toi? Je sais pas, t'es qui? Réponds. On sait pas. C'est trop. Respectez-moi. Vas-y, rien à foutre, je vais ouvrir ça, j'en ai rien à péter. Non, c'est trop, on m'a trop de... Quoi? Qu'est-ce que c'est? On m'a trop disrespect. Ok. Ça, si je lâche, ça fait quoi? C'est quoi, ça? Ok. Non, en vrai, c'est nul. Tout est nul, y a rien de joli. Moi, je veux du pognon, rien à péter du reste. De toute façon, on n'a pas le temps de se soigner. Là, genre, il n'y a plus personne. Hey, dégage ta mère là-bas. Rien à péter, de toute façon moi je dois monter, je dois pas descendre. Et ben vous savez quoi? Regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. Ça là, je vais m'injecter un truc direct dans le gosier là-bas. Et comme ça j'ai eu les kills gratos, ok? Comment on peut faire? Non, comment on peut faire? On va faire... on va lâcher ça, ok? Et ça, c'est direct dans la gueule. Ok, allez, go. Ouais, non, c'est bon. Je suis pas une...
Enfin, un petit peu, mais ça va. Pas trop non plus. On va me respecter ici. Ok. Bon. J'ai tué les mecs qui sont revenus. Là, on a quoi? Que dolls. Vous avez vu, j'ai pas utilisé mon shotguns. Pas eu besoin. Faut vraiment trouver une forge parce que là, ça devient un peu chiant. Voilà, ça fait deux épisodes. On n'en a pas trouvé une, les gars. Réel, ça devient un peu chiant. Voilà, je le dis. Il est parti en enfer. Un autre ? Ça dégage, hein. Je me cache, j'en ai rien à péter. Voilà, trouver Danny. Ok, Danny, c'est trouvé. Les amis. Oh là là, 1500 mes aïeux. Oh là là, 1000 mes aïeux. Oh là là, 100. Oh là là, 200. Oh là là, 100. Oh là là, 500. C'est trop ça. Ajoute tir alternatif qui tire des munitions explosives. Les projectiles sont réglés pour exploser peu de temps après l'impact. Bon les gars, on va se faire plaisir sur un ou deux trucs là. Maximise en supprimant les plafonds de tension. Ok, on va se mettre bien sur un truc. Ajoute un module de tir qui lance une rafale de 5 coups à fort impact, illégal sur Terre et sur Luna. Ça coûte combien? 3006 les gars, ok, retenez hein. Et là, 2007. 3006. Et là, 3006 aussi. Qui tire des munitions à tête chercheuse. Qui se déferle sur les ennemis proches. Vas-y, hein, les gars. Ça, hein, c'est énervé de ouf. Hein. Rien à péter. Le reste, ça va aller. Veuillez patienter. Impression en cours. Voilà, ça me paraît incroyable, ça. Hein. Je sais même pas c'est sur quelle arme que j'ai fait ça, mais ça a l'air insolent. Ok, c'est celui qui a un chargeur sur le côté. Je sais toujours pas ce que ça représente. T'as besoin d'une arme. Le TK-37. Ok. Brise le bras de l'assaillant. Bah ouais, j'avais ça aussi à faire. Ah ouais, j'avais ça à faire, les gars. Bah ouais, je suis un baiser aussi. Vu qu'on avait repris, je l'avais pas fait. C'était, ça avait pas été pris en compte l'épisode précédent, puisqu'on était mort, souvenez-vous, dans le sort de grand wagon, là. Ok. Et en vrai de vrai, ça, 2007, ça vaut le coup de fou, hein. Davantage de force, la cible peut être gravement blessée et même perdre un membre. Améliore le taux de recharge en utilisant des matériaux de câblage. Allez, vas-y, on vit qu'une fois. Allez, allez, les amis, on vit qu'une fois, on améliore le bras. Bah, les couilles. Bah, les couilles, ça va être un bras encore plus puissant. Je vous le garantis, ça va être insane. Ok. Let's go. Allez, let's go mes aïeux, on y va. Quoi? Les armes améliorées ont un mode qui offre une plus grande puissance de feu, mais utilise plus de munitions. Matez la touche L2 enfoncée pour regarder dans le viseur et appuyer sur la touche R1. Ok, pour utiliser le mode alternatif. Très bien. Vraie question, c'est ça le mode... Ah non, c'est pas le pompe. J'ai utilisé le mode alternatif de ça. Je suis deck. J'ai acheté le mode alternatif de la pire arme au monde. Mon seum est immense. Oh, mon seum est immense. Ok. C'est nul en plus. Jiquan Park. Très bien. Jiquan Park. Go. J. Il est là. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi! S'il vous plaît, vous devez vous calmer. C'est dans ma tête! Calmez-vous et répondez à ma question. Quand avez-vous été exposé pour la première fois? Je vous en prie, j'ai mal! On ne saura pas. Ces derniers mots, c'était... C'est dans ma tête. Eh, j'ai le seum de ouf. Voilà, je vous le dis, Je vous le dis, chers amis, j'ai le seum de ouf.
Oh, c'est quoi ça, mon frère? J'y suis presque. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, ok. J'aime pas trop beaucoup ça. Ça va réveiller la terre entière, je suppose? Non? Ok. Évidemment. Quoi? Et qu'est-ce que tu fais? On est dans Avatar ou quoi, les gars? Danny. J'irai pas! Vous pouvez pas me porter! Vous les avez conçus! Dans son esprit. Je revivais ses souvenirs. Il y a eu une épidémie. Il y a 75 ans. Comme ce qui se passe dans la prison. Ils ont tué tout le monde pour essayer de la contenir. Tout le monde. Ce ne sont pas des accidents. Ça se répète. Arcas. Black Iron, Europe, tout est lié d'une manière ou d'une autre. Encore un double tête! Oh my god! On va jamais s'en sortir! Mes frères! Ok. 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 J'aurais dû, ouais, ok. Les amis, c'est dur. Oh, c'est tendu de ouf. On
m'a pas aidé. Attends, cousine. Attends, non, c'est dur là. Mais ça va. Je savais pas qu'on pouvait transférer des souvenirs comme ça. Ok. Voilà, c'est chaud. Hein. Tiens, j'en perds la voix. Oh, deux boss, un épisode, un boss, c'est quoi ça? Ah, j'aurais dû rester par ici parce que je pouvais les soulever, dommage. Ok. Ah, embêtant. Ok. Eh les gars, j'ai plus rien. C'est la mort du petit cheval mort. Il y avait des munitions de pistolet. Ok. Ça, on recharge. Ça, on recharge, on est bien. Enfin, on a des baisses de FPS de fou furieux ici, hein. Je suis désolé, mais c'est quand même assez terrible. Faut suivre Danny. Dégage-toi. Ok, vas-y Danny. Danny, on a chaud du cul, hein. Bon, on a ramassé le truc à 1500, hein, faut le savoir. Ok. Et là, y a rien d'autre. Ça se voit que c'est pas un jeu triple A, parce qu'il y a des zones vraiment... Ah, tu sens la baisse de FPS assez terrible. Après ça va, c'est pardonné quand même, le jeu est pas laid. Petite baisse de FPS de temps en temps, c'est pas ce qui tue non plus, tant que ça bousille pas non plus l'action. J'arrive Danny. J'arrive Danny. Damn Danny. Ok. Bon. Un épisode, un boss, hein, c'est tout ce qu'on retient quand même. Ça devient très embêtant. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je vais pas redescendre tout en bas. Pas de FPS. Tout va bien? Ouais, cette foutue passerelle s'est effondrée. Le chemin vers la surface est de l'autre côté de la colonie. Continue et je te retrouverai là-bas. Ok. Ok, ok, ok. Tu vois les problèmes arriver là ou pas? Comme si ça suffisait pas, le double boss. Là, ils abusent peut-être un peu, hein. Eh, si on s'en tape un troisième, je vais péter un crâne. Oh. Ok. 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 Non. Bon. On est parti, faites les potes. Votre sélection. Il commence à y avoir étrangement un peu trop d'action à mon goût. Voilà, je vous le dis. C'est très bizarre. 1003. Bah écoutez, on va économiser un peu. Il y a toujours une arme qu'on n'a pas découverte, les amis. Il y a toujours une arme qu'on n'a pas découverte. Est-ce qu'on était censé la découvrir avant? Et dans ces cas-là, je l'aurais loupé, ça serait bizarre. Ah. On va rejoindre l'autre côté. Au niveau supérieur, Jacob. Allez. Mais frère, c'est trop! Comment tu peux courir aussi vite? Je suis Keblo! Je suis Keblo! J'étais. Bah ouais, mais éclate, c'est normal de m'éclater la gueule! C'était normal! J'étais Keblo!
Y a un bout de truc en métal, frérot, ça m'a kéblo et c'était fini. Vu qu'il n'y a pas de retournement rapide, d'ailleurs, je trouve ça un petit peu bébête, si je puis me permettre, voilà, sans vouloir agresser quiconque. Je trouve ça un petit peu bébête de ne pas avoir fait de système de retournement rapide. Tous les systèmes pour le sont coup. Opérationnels. Ok, ça part. Ça part. Là, les gars, voilà, quand ça m'énerve, je tape dans le sol. Ok, là, les gars, je vous le dis, ça va swinguer. Alors, hop, ça. On reload. Très bien. Ça. C'est fait. Ça. C'est fait. Ça. Ok, c'est en cours. Let's go. Quelqu'un veut me tester peut-être? C'est bien ce que je pensais. Je m'en fous, je vais récupérer derrière. Un APT. Quelqu'un veut me tester, j'ai dit? C'est bien ce que je pensais. Allez. Let's go. Ah, mais j'ai cru comprendre que quelqu'un voulait me tester. C'est pour ça, on approche de la fin de... Reviens là, bibiche. Allez, c'est bon. Ouais, ça va ou quoi par ici? Ça a littéralement save. Faites votre sélection. Dans la merde, en fait. Voilà, je vous le dis. Ça a save dans la merde. Vas-y, Danny. Courons. Courons à notre perte. Croire que des gens vivaient ici. Oui, mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Certains n'ont toujours pas d'ailleurs. Ok. Ça, j'aime bien ça. Ça, un décodeur comme ça en parfait état. Ça, c'est de l'or en barre. T'entends, Danny? Je te le dis, Danny, c'est de l'or en barre. Ok. Allez, écoutez, je suis agressif en ce moment. Bah écoutez, on va revendre ça. On va vite faire revendre ça. Et puis on va pouvoir s'arrêter là. Hop, voilà, petite esquive latérale, ça fait toujours plaisir. Histoire de voir un petit peu combien ça ramène. 750. Mais c'est... Wesh, il commence à régaler de ouf là hein. Et en plus j'ai des soins, c'est impeccable hein. Les amis, on va s'arrêter là, je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde, j'espère que cet épisode vous a plu. Bisous, bye bye.